Salut, on est le 3 mars, c'est le deuxième bloc de thèse, j'espère que tu vas bien. Moi ça va bien, il fait beau donc c'est cool. Non bref, c'est pas du tout le sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, donc je reviens pour travailler. Depuis la dernière fois, j'ai terminé ce livre-là, enfin, donc c'est cool. J'ai terminé de prendre des notes sur le livre Supplémentation et grossesse. Et voilà, donc ça c'est bien, je suis fière de moi, c'est chouette. Après, j'ai toujours pas eu de réponse de ma maître de thèse pour que je puisse diffuser mes différents sondages, donc j'attends encore, je peux pas avancer là-dessus. Ensuite, en termes de livre, j'ai commencé à prendre des notes sur celui-ci et je le trouve très bien pour le moment, donc c'est chouette. C'est des bases physiopathologiques de la diététique. Donc j'en apprends un peu plus sur tout ce qui est grossesse et puis allaitement et puis développement du fœtus. Donc voilà, c'est chouette. Et après, voilà, niveau livre, voilà où j'en suis. Cet après-midi, là, il est 14h, donc je vais prendre des notes sur ce livre-là. J'espère terminer ce livre-là aujourd'hui, ce serait bien. Et puis en plus, c'est pas très compliqué comme livre, donc voilà, c'est tout. Après, niveau plaquettes, j'allais dire plaquettes de frein. Non, plaquettes à donner, informatives à donner aux pharmaciens ou aux femmes enceintes. J'ai un peu des idées, j'ai fait un petit peu des schémas pour voir un peu comment organiser ces plaquettes-là, avec les menus, pourquoi manger végétarien, des choses comme ça sur la plaquette. Et voilà où j'en suis. Mais ça n'a pas beaucoup avancé. Voilà où j'en suis. Voilà. Mon avancement n'est pas hyper rapide. Après, je fais beaucoup d'autres choses à côté, donc je ne suis pas là que pour faire ma thèse. Donc voilà, je me laisse un peu de temps. J'essaie d'être de pas être trop sévère envers moi-même. Et puis, ça, de toute façon, ça va bien se passer. Il n'y a pas de raison, hein. Voilà. Bon, on se retrouve sûrement après. Je vais prendre des notes sur ce livre. Et je te dis si j'ai réussi d'ici 1 à 2 heures. 1 heure, ce sera vraiment trop court, mais d'ici 2 heures, donc jusqu'à 4 heures. Voilà, à toutes. Recoucou, on est toujours le 3 mars et j'ai essayé de travailler, mais très clairement. Putain, ça fait depuis 2 heures. Il est 6h30 et j'ai même pas écrit 4 pages, quoi. Donc là, j'y arrive pas du tout. Le livre est super intéressant, je suis d'accord. Mais là, je bloque complètement. J'ai forcé jusqu'à 6h30, j'y arrive pas. J'ai fait une sieste qui devait durer 10 minutes, elle a duré plus d'une heure. J'ai fait que de traîner sur YouTube, que de parler à des gens pour mon voyage et tout. Et voilà. Je suis quand même pas mal déçue de moi. Et j'ai essayé de forcer, forcer, forcer. Mais franchement, là, j'y arrive pas. J'arrive pas à avancer. Donc, franchement, pour aujourd'hui, je m'arrête là. Et tant pis. J'ai pas du tout réussi mes objectifs. Mais c'est comme ça. Et on verra demain si c'est mieux, sachant que j'ai cours. Donc, je pourrais pas être ici à bosser ma thèse. Mais tant pis. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Bon, je te laisse pour aujourd'hui, peut-être à demain, et sinon, eh bien, ah, je sais pas quand, mais on va y arriver, hein, on va y arriver. Allez, à plus. Hey, coucou, je te reprends vite fait, là, on est le 5 mars, et je te prends vite fait le soir. Parce que j'ai un petit peu avancé, là j'ai eu la réponse de ma maître de thèse en fait. Oui, et du coup j'ai refait mes sondages et tout. Et là je suis en train de les mettre petit à petit en ligne sur les différents réseaux sociaux,
Facebook, les différents groupes de vegan et tout. Et je voulais juste te dire que bah, ça marche plutôt bien. J'ai 16 réponses pour le moment. Donc c'est cool. Je l'ai mis en ligne il y a 2 heures à peu près. Même pas, non? Parce que le premier, c'est ma maman. Donc il faut que je le supprime, c'était mon test. Mais je vérifie juste si c'était bien elle. Ouais, c'est ça. C'est bien elle. Donc celui-ci, je vais le supprimer. Voilà. Ah bah, je viens d'en avoir un nouveau, mais c'est génial. Enfin, ça, c'est cool. Parce que je commence un peu à perdre un peu espoir. Enfin, c'est un peu dur des fois. Et là, le fait d'avoir toutes ces réponses maintenant, alors que je viens de le mettre, même si je sais qu'après, vu que mon poste, il va un peu descendre, il y aura plus grand monde qui va répondre. Mais là, pour le moment, ça fait plaisir d'avoir pas mal de petites réponses. Ça va avancer. J'espère qu'on va faire avancer les choses. Et qu'on va pouvoir traiter ces réponses. J'espère que ça va être pertinent et que ça va être intéressant. Voilà, je te montre juste vite fait ce que ça fait pour le moment. Donc tu vois, si hop, je te montre. Voilà, donc toutes les. Ah, ça bug un peu. Toutes les réponses. Tac, 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 tac. C'est anonyme, hein, bien sûr. Tac, 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 tac. Donc là, c'est directement mis dans le tableau. Et c'est vachement cool. Voilà. Donc, je suis contente. Je suis contente que ça fonctionne comme ça pour le moment. Bon. Oula, t'es un peu loin. Je te laisse. Là, juste pour te donner des petites nouvelles. Donc, j'ai avancé encore sur le livre, le dernier livre là. Celui-ci. C'est le bordel. Il faut vraiment que je range. Celui-ci, en fait, je l'ai fini du coup. Sauf, il me reste la partie anémie. Donc, je ferai ça peut-être demain. Voilà. Et puis. À part ça, donc j'ai refait le sondage comme je t'ai dit au début. Et puis c'est tout. Mais je compte bientôt téléphoner ou aller voir les gynécos, les sages-femmes, et puis diffuser mon sondage un peu partout. Voilà, je croise les doigts, je pense que. Faut rien lâcher, c'est un peu dur. Franchement, en ce moment, je suis un peu fatiguée. Je travaille pas énormément, mais j'ai besoin de repos. Donc, je me laisse un peu de temps. Mais c'est vrai que ça fait du bien aussi d'avoir des avancées dans son travail, quoi. Voilà. Allez, bisous, à plus. Coucou, on est le 8 mars, on est le 8 mars, il est 16h15 et là je me pose vite fait pour juste te dire un peu où j'en suis. Je viens de terminer la révision d'un livre que j'ai commencé avant même que j'ai commencé mes blocs de thèse. J'en suis à la partie carence en protéines et je viens de la terminer justement cette partie de carence en protéines. Après j'aurai carence en fer, bref, on s'en fiche. Voilà, donc j'ai un petit peu avancé là, c'est chouette. Je suis à la page 3 sur 9, donc il va falloir que j'avance un petit peu plus encore, mais je trouve ça déjà bien. Et après, niveau sondage, j'ai pas du tout avancé pour ce qui est cabinet, mettre mon sondage papier dans les salles d'attente et tout, à l'hôpital et tout, parce que je sais pas trop comment m'y prendre, enfin ça va être un peu compliqué, donc voilà. Et par contre, niveau sondage Facebook, tout ce qui est réseaux sociaux, donc là j'ai à peu près 30 réponses, un peu moins, ouais, une trentaine de réponses chez les sages-femmes, zéro chez les gynécos parce que j'ai encore pas mis dans des groupes de gynécos et tout parce que je sais pas, enfin, c'est compliqué à trouver. Et au niveau des patientes, femmes enceintes, tout ça, et allaitantes. J'ai un peu moins, j'ai entre 90 et 100 réponses.
Ouais, un peu moins d'une centaine de réponses. Donc voilà. C'est bien, ils ont bien joué le jeu, donc c'est cool. Et là, je vais faire une pause. Et après, il faudra que je continue à réviser tout ce livre-là que tu n'as jamais vu. En fait, c'est un livre sur le véganisme, végétarisme et flexitarisme, et sans parler de la grossesse. Mais c'est très intéressant. Voilà. Bisous, à plus, peut-être à tout à l'heure, peut-être pas, je ne sais pas. Ça dépendra de mon humeur, ça dépendra de plein de choses. Coucou, je te reprends juste vite fait pour te dire que je vais finaliser ce vlog maintenant parce que je voudrais mettre en ligne et puis là cette semaine j'ai encore plein plein de choses à faire dans mon emploi du temps autre que la thèse. Donc je m'arrête là. Pour aujourd'hui, et je te reprends une prochaine fois avec de nouvelles aventures. Juste pour te dire, donc là j'ai pas mal de réponses des sages-femmes, des patientes pour mes sondages. J'ai toujours pas fini de reprendre mon document sur mon premier livre, mais je suis en train de travailler là-dessus. Mais c'est super dur, en fait, j'arrive pas à me mettre à bosser en ce moment. Donc c'est pour ça que j'ai décidé d'arrêter ce vlog ici sans terminer mon premier livre, de reprendre les notes de mon premier livre. Alors qu'à la base, je voulais finir ces notes-là dans ce vlog, mais tant pis, c'est pas grave. Voilà, bon ben, je te fais des bisous et puis à bientôt dans un nouveau vlog, j'allais dire. Oui, c'est un peu ça, hein. C'est un peu ça. La meuf, elle est youtubeuse un an. Elle a fait ça toute sa vie. Ma boucle d'oreille qui se prend dans mon écharpe, c'est toute ma vie, justement. C'est le résumé de ma vie, et oui, mes cheveux n'en font qu'à leur tête, n'est-ce pas? C'est beau, magnifique. Allez, bisous, kiss, à plus. Je suis éclatée, en vrai, je crois que je commence à être malade, mais ça fait 3-4 jours que la maladie, elle essaye de venir. Mais ça fait 3-4 jours que je me bats contre la maladie, et elle vient pas encore. Elle vient pas. Allez, à plus. La suite de mes aventures dans un nouveau vlog.